Right, on va se faire un lavage blotti, mais ça normal, eau tiède, on met plus d'eau, et c'est parti. C'est branché en ce moment sur la blotti de 800 watts, donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne. C'est une grosse laveuse frontale, elle fait marcher... Elle marche sur le blotti. Tout fonctionne. On est en train de se remplir d'eau. Fait que pour vous donner une idée à quel point ces générateurs sont puissants, c'est comme quasiment débile là, qu'une ces petites affaires peut faire marcher une grosse machine à laver de même qui est à moitié remplie de linge assez pesant. C'est fucké un peu. Sérieux, là, c'est capotant. Elle va continuer de remplir. On va tomber en mode lavage dans quelques secondes. Ben, je pense que c'est commencé. Pas sûr, je suis un homme. Moi, je mets ça là-dedans, puis il faut que ça marche. C'est tout. Ben oui, le lavage est commencé. Fait que, oh, elle remplit encore. Fait qu'elle est encore en train de mixer le linge avec l'eau. Pour que ça lave comme du monde. C'est assez fou, elle. En tout cas, ça fonctionne super bien. J'attends juste qu'elle arrête de remplir son eau. Regardez, on est à 61 watts. 61 watts, c'est vraiment pas beaucoup pour une grosse laveuse, mais c'est une laveuse économique en énergie, donc ça prend moins de courant qu'une ampoule 100 watts, juste pour vous le dire, c'est débile. Puis comme vous pouvez le constater, c'est pas constant, c'est pas tout le temps 61 watts. Ah, là, elle commence à prendre un petit peu plus. Ça doit commencer à se remplir, va être plus pesant à tourner. En tout cas, je sais pas si elle est pleine ou si elle l'est pas. Je pense qu'elle l'est. On dirait qu'elle a fini de remplir. Là. Je sais pas, moi d'habitude, je passe ça, je m'en vais en haut. Donc, je sais pas. Donc, ça marche super bien. 116 watts. 100 watts. Elle prend à peu près l'énergie d'une ampoule. 113 watts. Le lavage est commencé, fait que ça va laver au complet ma brossée de lavage sur une blotti.